avec mon bâton de pèlerin. Trop bon ça. Pile à la bonne hauteur. Ouais. Aujourd'hui, la rando, eh bien, c'est le canigou, le symbole mythique des Catalans. C'est parti. Et aujourd'hui, dans un pèlerin, il n'est pas tout seul. Il est avec deux amis catalans. Thierry et Laetitia. Thierry, qui est un copain de trail. Il y a aussi Marla et Maïdo qui sont avec nous. On monte à combien c'est le canigou? 2784 mètres. Donc on va passer par le refuge des Cortalets, le Barbet, le pic, la cheminée, le pic du canigou, puis on va redescendre. Petite journée sympa avec du beau temps. Un peu frais ce matin, mais la journée va être belle. C'est un endroit magique en fait. Ouais. Pourquoi c'est magique? Tu as une vue splendide et puis je sais pas, il se passe quelque chose, une énergie positive qui est là-haut, qui ne s'explique pas et qui t'attire un petit peu comme je pense certains au Mont Blanc où tu montes une fois et t'as qu'une envie en fait, d'y retourner. Et là où il y a de la neige, hein? Il reste un petit peu de neige qui est tombée le week-end dernier. Mais ça a bien fondu. On attaque la côte. Ah, ouais, j'avais senti qu'on attaquait la côte. 2200 mètres de dénivelé pour 23 km. Premier rayon de la journée. Et voilà le col des Voltes. D'accord. Bonjour. D'accord, col des Voltes, 1838 mètres. Au fond, Prades, à travers les sapins. T'as un ou ceci sur le côté. Ouais. On dirait de la neige, hein. C'est pas on dirait. C'est pas on dirait. C'est de la neige. Canigou. Oh, joli, le canigou. Là, t'as le canigou avec le cirque. Là, c'est vraiment la journée pour le faire, quoi. Là, tu as la météo idéale. Ouais. Là, on va remonter dessus. Hein. La neige est glacée, il a dû faire froid ici, cette nuit. Là, on voit bien Perpignan qui est juste en bas là. Alors on devine bien les alberts là. Les alberts. Avec le Néoulous, la baie de Rosas, ça va? Rosas. On vient de passer les 2600 mètres d'altitude. Et si on lève la tête, qu'est-ce qu'on voit devant nous? Le sommet du canigou, qui est juste en face. Mais on va redescendre pour remonter. À la croix du canigou. On y est, voilà. 2784 mètres pile poil. T'as combien de monde, Denis? Donc là, le nord est ici. Ouais. Donc la tramontane, elle vient d'ici. Enfin, nord-ouest, hein, la tramontane. Les sommets d'Andorre. Au-dessus de Font-Romeu. On voit les pistes d'ailleurs là-bas au fond avec les angles. On voit Font-Romeu d'ailleurs. C'est génial.
Voilà, c'est comme ça que se termine cette montée mythique au Canigou. Maintenant, à la bouffe. À bientôt.